Eh bien salut tout le monde, c'est Chez Prod les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo assez spéciale. Donc présentation, visite du salon de la moto 2018 à Paris. Donc j'ai fait la partie voiture, donc elle se trouve sur ma chaîne. Je vous mets le lien en description. Donc là c'est la partie moto, voilà. Donc là on est juste devant, on vient d'arriver. Donc c'est parti, on va rentrer, à tout de suite. Voilà les gars, donc là on est juste devant l'entrée pour le salon de moto, on y va tout de suite, c'est parti. Donc là on vient tout juste de rentrer, il y a déjà 10 fois moins de monde que le salon de la voiture, c'est vraiment cool. Donc on va voir un peu tout ça les gars. Allez bon gars, on commence par quoi? KTM, Yamaha, ouais, Kawa, Yamaha. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. À 17h sur le stand Honda, séance de dédicace à l'EV 10. Ouais les gars, juste là, petite MT125 2019. Ah ouais, on est là en exclusivité, elle sort en décembre, elle est vraiment propre. Donc je suis monté dessus, on soit assez droit, bon j'avais déjà testé la 125. Je sais pas ce qu'elle a de plus que la 2018, 2017, etc. Elle est vraiment cool les gars. Yamaha les gars. Voilà, petite MT125. Sa future moto là. Ah ouais. Tu l'as en décembre. Pas mal, hein. Elle ressemble de ouf à la MT3. Hein. Y725 2019 en 250 les gars, magnifique. On va monter dessus directement. Franchement, elle est énervée. Ah par contre la selle elle est archi fine. La selle elle est ouais. Vraiment propre. Au snow, oh là là, vraiment propre les gars. Vas-y. Avec le petit accra des familles. Propre. RM7 250, je sais pas si c'est 2019, bien propre les gars. Bon, la selle elle est hyper fine, mais ouais franchement bien propre, hein. Moi je kiffe, elle est bien stylée. Ouais les gars, petite CB125R, ouais, elle est vraiment propre, hein. Moi je filme un peu, elle est bien stylée je trouve. Je sais pas c'est quelle année, 2019 je crois. Je sais pas, hein. En tout cas on est plein à l'aise dessus, faudrait que je fasse un test pour YouTube les gars, je vais essayer de trouver ça. Firebed les gars, elle est magnifique. Ils nous ont dit les gars qui les a gagnés 24 heures du monde avec le poil. Ouais, les grosses gros, putain, ça change de la petite R125. When I die, I know I said it here. Need them tennis chains hanging at that cashmere. Always been a G, running crazy at my fear. Got a buzz while I'm buzzing, no light, yeah. Couple more people pulling up with them compliments. Keep gassing me up, it feeds my confidence. When I'm over here, rapping on the mic, work at the crazy, go enjoy your fucking. Bon les gars, on est chez Kawa. Donc là, 450, bien propre. Franchement, je mets KTM quand même en premier en enduro. Après YZ, Yamaha et Kawa. Après Kawa, je sais que c'est fiable. Hein. Je sais pas, j'aime moins. Mais elles sont bien stylées. Hein. Voilà les gars, on est chez Kawa les gars. Donc là, il y a le
Ninja 125, le nouveau modèle, et le Z125 juste là. Vraiment propre. Le Z125 il est vraiment propre aussi, mais je prends. Ouais, je sais pas. Le Ninja aussi, les gars. Dites-moi ce que vous préférez. Tu vas pas aimer. Petit Z125, bon, il est assez fin. On dirait un jouet. Mais franchement, j'aime bien. Ouais, non, il est propre. Petit Z125 là. Chez Caro Ninja 125, la nouvelle. Franchement, extérieurement, physiquement et tout, esthétiquement, elle est vraiment cool. Je la trouve vraiment belle. Limite, pas plus belle que la R125, mais vraiment bien. Mais quand t'es dessus, en fait, le réservoir est tout fin et le compteur, j'aime pas du tout. Ça retourne trop au GSXR 125. Je trouve ça vraiment moche. Mais ouais, faudrait que je fasse un test, je sais pas. Les gars, là on est sur le Z125, le tout nouveau. Oh non, mais je te promets, j'adore vraiment. C'est un mini Z800. Franchement, le réservoir il est bien réparti. T'es un peu en avant, un peu sportif, type roadster. Elle est pas trop fine, ça va. Ouah, gros, franchement, je suis grave en kiff. Franchement, coup de cœur, les gars. Je la kiffe. Large le R125, les gars, je vous mens pas. Hein. Elle est bien, mais elle est assez fine. Et t'as même pas de passage arrière, ouais. Gros. Le réservoir, je le trouve vraiment. Enfin, il est minuscule, en fait. Le compteur, j'aime pas, les gars, le compteur il est moche. Mais montre de là, la face avant, il a l'air. Il a l'air petit quand même, tu vois. Ouais. Voilà, les gars, GSX-R 125, franchement, j'ai une 50, elle est minuscule. Elle est. J'aime pas. Contrairement au GSX-S 125 qui est vraiment propre, juste ici. Donc la version roadster. Grave mieux. On va voir KTM les gars, c'est parti. Petit 390 Duke, les gars. Bon, les gars, Duke 125 2019. Bon, il n'y a pas beaucoup de changements comparé à 2018. Ça reste une valeur sûre. Je vais la tester bientôt pour la chaîne d'ailleurs. Ouais, les gars, on va pas se mentir, elle est magnifique. Mais magnifique les gars, petite réplique Acra. Ouais les gars, c'est à 1290 ou quoi? Regarde si c'est à 1290. Ouais. Petite 1290, super Duke, magnifique, première fois que je monte dessus. Le réservoir il est énorme, on est un peu en avance, nickel. Franchement, propre. Ça doit vraiment bombarder ça, frère. Ouais, gars, camion d'Highside, l'émission là, je sais pas si vous connaissez. Voilà. Donc là, il y a une petite CBR. Donc celle de l'émission, je vais vous montrer. Juste là. Grave. Les amis, c'est parti. Petit 250, on commence bien. Encore un 250.
Ah là là, bien propre. C'est le 700? Ouais. Aïe aïe aïe, alors? Tes impressions là? Ah gros, ça sent le parmi les deux là. Il a l'air bien à conduire ou pas? Ouais. Petit Husky 700 les amis. Aïe. Vraiment propre, la selle elle est bien large, ça j'aime bien. Putain par contre les gars, je comprends pas qu'elle est hyper haute. Hein. Le truc, avec le petit réservoir là. Du coup, il n'y a pas de réservoir à l'avant, ça fait bizarre. Mais ouais, franchement, bien propre, je valide. Petite Injaz Scoot, les gars, bleu, bien propre. Franchement, les loups. Franchement, je m'y attendais pas, le mec, t'es grave en avant. Le secteur, il est grave en avant. T'es un peu en arrière, par contre. Hein. Sur le poteau, t'es un peu en arrière. Le pinot, il est assez loin. Ouais, c'est grave à grave. Oh, les gars, on est chez Kawa. Kawasaki H2R. Putain. Magnifique. Donc on peut pas monter dessus, mais il y a des H2, on peut monter, je vais monter dessus juste après. Bon les gars, Kawasaki H2R juste là. Kawasaki H2, je serais monté dessus les gars. Je suis monté sur un H2. Bon. Grave confortable, tu peux mettre ton cul comme ça. Ensuite on est grave en avant. Le petit compteur, je te laisse montrer. Voilà. Le réservoir est énorme. Putain, 400 km. Oh mec. Ouais, archi énervé. Bon, ça y est les gars, on a fini. Ça va de la moto. Bon, c'était bien lourd. Bon, on a vu de la H2, on a vu de la CBR125, MT125 2019. On a vu que du lourd. De toute façon, vous avez tout vu en vidéo, j'ai tout filmé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un like. N'oubliez pas de regarder la partie automobile. Le lien sera dans la description. On se dit à la prochaine. Peace.